Didi B donne beaucoup d'argent à Ramba Junior dans la rue. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Vous voyez, au travers de cette vidéo, vous êtes en train de voir Ramba Junior en train de parler à Didi B. Didi B a versé beaucoup d'argent sur lui. Suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin et ne vous faites pas raconter cela. Et vous voyez, et en tout cas, on va suivre et vous savez ce que vous avez à faire. En tout cas, vous allez pousser cette vidéo, c'est vous qui faites la vidéo. Check l'extrait. Qu'est-ce que tu dis? Une voiture de 50 millions. Une maison de 50 millions. Ma Rolex coûte 15 millions. On va pas trop les bêtes. Donc toi-même, où tu es là, tu coûtes combien? Moi, écoute, c'est 1 milliard là. C'est beaucoup de millions. Tu coûtes combien? C'est 1 million, c'est 50 millions, c'est 1 million sur mon vieux. Moi, j'ai la caméra qui regarde. C'est un billet d'abord, vieux. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Une maison de 50 millions. À quoi une caméra? Tu es prêt, moi? C'est un diamant. Ça vient. Ça vient, attends, combien? Un billet, deux billets. Fils, comment? On poursuit avec les autres informations de ce Flash Info. Infidélité, elle découvre que son mari a une autre femme et déchire son passeport à l'aéroport. Pour résumer, cette femme était arrivée aux États-Unis où elle a obtenu ses papiers. Avant son départ du pays, elle avait entamé une relation amoureuse avec un homme qu'elle aimait. Quelques années plus tard, elle a réussi à faire venir cet homme aux États-Unis. Ils se sont mariés et ont eu trois magnifiques enfants et l'homme a également obtenu ses papiers. Cependant, en temps, l'homme a commencé une relation avec une autre femme restée au Nigeria. Une fois installé aux États-Unis, il a proposé à sa femme de se rendre au pays pour saluer sa famille, ce qu'elle a accepté. Pendant ce séjour, il a épousé en secret sa maîtresse au Nigeria, puis est retourné aux États-Unis comme si de rien n'était. Récemment, la femme a décidé qu'il partirait en vacances en famille au Nigeria. Malheureusement pour elle, une fois sur place, elle a découvert que son mari avait épousé une autre femme en cachette. Furieuse, elle a attendu le jour de leur retour prévu aux États-Unis pour déchirer le passeport de ce dernier. Vous voyez, en tout cas, on va continuer avec le père de Davido qui a donné 1 milliard de naira à une église, un geste qui fait débat actuellement sur les réseaux sociaux. Ce dimanche 18 août 2024, la famille Adeleke a créé une véritable onde de choc, bien sûr, au Nigeria. Et le père de la superstar Davido, Dr. Adeleke Adeleji, bien sûr, a offert 1 milliard de naira, 373 millions de francs CFA à l'église Chérubin, bien sûr, and Cherfin, en mémoire de sa mère de feinte, Nena Esther Adeleke. Vous voyez, lors de la cérémonie d'action de grâce à Lagos ou des personnalités telles que les gouverneurs d'Apo, Abiodun et Baba Jide, Soumon Olu étaient présents, l'annonce de ce don monumental a fait exploser, bien sûr, les applaudissements. Pourtant, cette immense générosité suscite un débat enflammé sur les réseaux sociaux. Tandis que certains applaudissent ce geste, de fois d'autres critiquent l'absence de soutien pour des besoins urgents, bien sûr, dans le pays. En tout cas, donnez vos avis par rapport à ces différents sujets. Je serai très ravi de vous lire. On se dit à tout de suite pour d'autres infos. Ciao!